Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous ouvrir un de mes carnets. C'est un carnet que j'ai trimballé avec moi pendant à peu près un an et dans lequel j'ai expérimenté pas mal de choses. Il commence à dater. Je l'ai réalisé entre 2019 et 2020. Et donc là, vous voyez par exemple des extraits d'un chantier participatif que j'ai fait à la désobéissance fertile. Et l'idée était un peu tous les jours de peindre ce que je voyais, ce qui me marquait, les ambiances, les rencontres. Là par exemple, c'était une baignade. Et j'aime bien cette page parce qu'elle a un côté complètement abstrait. Et puis il y a des choses beaucoup plus concrètes, notamment voilà, l'épluchage du bois, les danses. Et j'ai beaucoup aimé cette première partie de carnet où j'ai fait un mix entre de l'écriture, de la photo, de la peinture. Le fait d'encadrer aussi une photo sur Instax. Et puis après, je suis partie en bivouac dans les Pyrénées pendant 3 jours. Et là, j'ai été surtout très touchée par les couleurs de l'automne. Donc, même si voilà, ces paysages sont pas encore exceptionnels, notamment en termes de perspective, en termes de réalisme, etc. Ce qui m'a touchée et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce carnet, c'était de me remémorer les couleurs en fait. Et aussi j'ai beaucoup fait de petites cueillettes, donc d'écorces, de feuilles, de fleurs que j'ai collées avec du scotch tout simplement pour rendre les photos aussi Instax un petit peu plus vivantes avec un petit peu plus de couleurs. Puis là c'est une page où je suis partie en Bretagne, puis une page où tout simplement j'étais chez moi mais j'ai reçu de la visite. J'aime bien aussi pouvoir mettre comme à droite ici des tests, des essais de peinture. Je trouve que ça rend super bien. Et puis dans ce carnet, il y a aussi des moments où je faisais pas de voyage en particulier, mais juste, voilà, je vivais. où je rencontrais des paysages qui étaient, on va dire, pas très loin de chez moi. Là aussi, c'est un moment où j'ai dû, suite à un déménagement familial, refaire du tri dans plein de photos de vacances. Et donc, j'ai fait du collage avec des photos que je prenais quand j'étais enfant. Il y a même des POG pour ceux qui êtes aussi de cette génération. Et puis voilà, par exemple, à gauche, c'est une vue de l'appartement où j'ai vécu. Bref, je me suis posé la question dans ce déménagement, comment est-ce que je peux mettre dans le carnet, comment je peux me remémorer de ces endroits où j'ai vécu. Pareil, là c'est un moment où j'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis des années. Et en fait, ce petit dessin, il est pas spécialement beau, ils sont pas, voilà, même cette page ici avec les algues au bord de la mer. Mais ce qui était important pour moi, c'était plutôt le souvenir ici. J'ai testé aussi de faire une peinture avec une partie en noir et blanc juste avec du stylo à gauche. Et puis là, il y a un gros changement parce qu'à gauche, c'est une ville où j'ai vécu. Puis à droite, c'est la ville où je suis partie, plutôt en vacances. En tout cas, c'est vraiment un carnet qui m'a suivi à travers des allers-retours en France, en pleine transition professionnelle, personnelle, quand je quittais mon boulot de prof. Et j'ai un peu plus fait d'Instax aussi de portraits de famille, de portraits de personnes qui m'ont touchée. Avec de l'écriture, là par exemple, c'est mon grand-père en train de faire un puzzle. Et voilà, c'était vraiment un carnet dans lequel j'ai laissé aller mon inspiration. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop où ça me menait. Mais je me concentrais sur qu'est-ce qui me touche aujourd'hui. Et voilà, je vous invite vraiment à faire de même. Là, par exemple, c'est une photo que j'ai prise, que j'ai reproduite sur mon carnet. Et j'aime bien ce côté, comme s'il avait une Marie-Louise autour de lui. Et voilà, je vous invite à faire des carnets à partir de ce qui vous touche. C'était la phrase de la fin d'aujourd'hui. Je vous embrasse.